choisi une pour le reste. On pourra peut-être enfin quitter ce rocher. T'emballe pas, tu sais très bien que c'est toujours là. T'inquiète, mon frère, t'es pas le seul. Mais ça risque pas d'arriver. Les tempêtes ne nous laisseront jamais partir. Oui, mais si. Mais si rien du tout, tu veux te barrer, et ben v'là une falaise. Alors vas-y, saute. Maintenant, laisse-moi finir cette bouteille en paix. Bon, maintenant. Lara, t'es là? Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara! C'est promis. C'est promis, Sam. Hé! À la fin du radio! Sam! Non! Sam! Allez! Lâchez-la, bande de salauds! Ne la touchez pas! Thank you.
réservoir plein. Le laisse pas se vider, mon frère, ce truc au delà. Il nous faut un... Attendez. Je vais être arrivé. Je vais pas tenir. Sors d'ici. Pas moyen de contourner. Je dois traverser.
Il y a peut-être des provisions à bord. Où est passé le vieux? Pas de quoi vous parler. Tu mens. Je sais que tu t'es enfui avec lui. Je connais quelque chose qui fera parler. On les a enfermés dans les grottes. Je comprends pas. Pourquoi Mathias vient dans les gardes? Oh non, ça fait trop mal. En les gardant en vie, Mathias vient à son âge. Franchement, j'espère que c'est l'élu. On attend ça depuis trop longtemps. Venez voir, il y a quelqu'un dans le piège. On va essayer de la couper.
Ross, tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. J'ai pas l'impression que j'ai... Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite? C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde! Là! Tirez, tirez! Oh!
sommes maintenant plus d'une centaine. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelles de transport que nous avons remis en service. Mathias prétend que nous travaillons pour la Reine Solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Égypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Mathias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord je lui collerai mon poing dans la gueule pour nous avoir amenés ici. Ensuite, à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Mais sans ce bon vieux Dickie Croft. S'il était en vie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ces fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait fascinants. J'espère que sa fille a plus de jugeote et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout cru. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. Les ancêtres de nos portefeuilles.
Viens dessus. Oh! On est là, Robert! Ça se tire!